Donc, GeekRH des commerces subit aujourd'hui un profond changement avec le développement de GeekCommerce ou des drives. Aujourd'hui, GeekRH permet d'apporter au commerce traditionnel le support dont il a besoin, et notamment grâce à la LED, pour augmenter l'expérience achat du consommateur dans le point de vente. La LED s'est imposée en premier dans les commerces grâce à ses facultés donc, d'accentuation, parce que c'est une source ponctuelle qui va permettre de particulièrement bien mettre en valeur les produits à l'intérieur du point de vente. Également la qualité de la lumière, puisqu'on arrive aujourd'hui avec des IRC de 80 voire 90 qui permet de très bien restituer les couleurs. Nous répondons avec la LED avec une gamme Coreline qui permet de remplacer soit des sources halogènes, soit même des sources iodure métalliques de 20 voire 35 watts traditionnels. Vous avez des économies d'énergie considérables, jusqu'à 80%. Vous avez une durée de vie de 50 000 heures, un retour sur investissement de moins d'un an, de l'ordre de 9 mois, et une économie, par exemple, de 420 euros avec un spot encastré par rapport à un spot halogène sur toute la durée de vie du produit. Grâce à la LED, vous allez pouvoir jouer sur des ambiances, augmenter ou jouer sur la gradation et attirer donc le chaland et vous différencier des autres points de vente. Vous avez également des programmations extrêmement simples grâce à des systèmes de gestion comme nous avons comme le StoreWise qui va vous permettre de moduler selon l'heure de la journée, selon le trafic ou selon la saison. Enfin, vous arrivez à des solutions de géolocalisation aujourd'hui en intérieur, dans le magasin, pour vous guider dans votre expérience d'achat dans le point de vente. Et c'est l'expérience, le test que nous avons actuellement en cours chez Carrefour à Euralines.